Ça fait quelques temps maintenant que j'utilise un vélo électrique et je voulais vraiment vous faire une vidéo sur ce vélo en particulier qui pour moi est vraiment parfait. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Allez, si vous êtes prêts, on attaque la vidéo maintenant. Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme, c'est Jean-Marc. Aujourd'hui, on se retrouve sur les plages du Prado pour parler vélo électrique. Alors, ça fait quelques temps que j'utilise ce vélo et pour moi, c'est tout simplement le vélo électrique parfait pour tous les jours. C'est un mix entre le vélo électrique et la petite moto. Alors, quand je dis petite moto, je m'orienterai plus vers un Dax, petite vitesse de pointe quand même de 50 km/h, tout en pédalant bien entendu. Avec certains avantages, et ça je vais vous l'expliquer au cours de la vidéo. Ce modèle, c'est le vélo de chez Super 73, le modèle S Adventure qui est sorti cette année. Donc chez Super 73, vous avez trois styles de vélo. Donc vous avez le Super 73 ZX, le S2 et le RX, qui est le haut de gamme. Donc moi au début, j'étais parti sur le S2, et j'ai vu qu'ils avaient sorti un S Adventure. Alors pourquoi je me suis orienté sur celui-là? Tout simplement, car moi à Marseille, j'ai pas mal de petits coins où je peux aller rouler, mais pour ça il me faut des gros pneus comme sur celui-ci, des bons gros pneus pour faire du off-road. Pour rouler sur les plages du Prado le matin comme maintenant, c'est que du bonheur, il n'y a personne. On peut faire ce qu'on veut, faire des petits donuts sur la plage, franchement c'est que du bonheur, je me régale. Déjà, on va parler un peu de la différence entre le S2 et ce S Adventure. Tout simplement, sur le S Adventure, on va retrouver 5 grosses différences. Donc déjà, on a, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des gros pneus off-road qui sont très 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 bien. Bon, sur la route, c'est pas l'idéal, mais alors dès que vous sortez de la route, du bitume, c'est trop trop bien. Ensuite, on a une fourche inversée qui vient directement du modèle haut de gamme, le RX. On récupère le phare du RX qui a un look fantastique. Après, les grosses nouveautés, c'est la batterie qui passe de en haut sur le côté. Et puis du coup, nous avons ajouté une selle extrêmement longue, moelleuse, qui peut accueillir tout simplement deux adultes. Je vous ai dégrossi un petit peu les 5 vraiment grosses différences entre le modèle S2 et le modèle S Adventure. Donc, ce que je ne vous ai pas dit, c'est les tarifs. Le S2, vous le touchez à 3 990 € et le S Adventure qui est derrière moi à 4 390. Donc pour 400 balles de différence, à vous de voir, mais vaut mieux s'orienter sur celui-là. On va parler un petit peu du fonctionnement de ce vélo et vous allez voir, il est très surprenant. Alors, vous avez la version classique, on pédale, on actionne l'assistance électrique et tout va bien. Alors, sur ce vélo, vous avez 4 modes d'assistance électrique. Donc, ça va de 1 à 4 et l'autonomie va de 120 km à 60 km. Alors, vous l'avez compris, si vous mettez en mode 1, donc vous allez pédaler un petit peu, voire même beaucoup, car quand même ce vélo pèse juste 36 kg, donc c'est pas non plus négligeable. Moi je varie entre 2 et 3, donc ça me fait à peu près une autonomie entre 60 et 100 km. Vous avez également la possibilité de changer de vitesse, il y en a 8, donc ça c'est vraiment très 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 bien. Et puis maintenant on va parler de la deuxième façon de faire, qui pour moi là est plus orientée moto, donc petite moto, parce que vous avez une vitesse de pointe de 50 km/h sans pédaler, juste avec une petite gâchette. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, pour moi, ça me fait penser à un petit Dax. La sensation, je ne peux pas vous la décrire, c'est faut l'essayer. Faut vraiment, si un jour vous avez l'occasion d'essayer un Super 73, essayez-le. Ce n'est que du bonheur. Point de vue capital, sympathie, vous faites arrêter
très très souvent, tout le monde vous demande ce que c'est un vélo électrique, c'est une moto, les gens ne savent pas. Donc du coup, allez voir mon compte Insta, je vais commencer à mettre des photos du Super 73 parce que j'ai pas eu le temps, je suis un peu débordé en ce moment. Mais j'ai fait des photos assez stylées. C'est un vélo typé vraiment fat boy, on a une conduite très agréable, c'est cool, on n'est pas là pour faire de la vitesse. Puis la selle, elle est fantastique cette selle, j'avais peur d'avoir mal au cul. Ben voilà, là, sur ça, la selle est très très agréable. Je l'adore. Les amis, pour conclure cette vidéo, j'espère que vous aurez pris beaucoup de plaisir à la regarder. Si vous avez la moindre question, vous avez le box, commentaire qui est là à cet effet. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, faites attention à vous. Allez, bye bye!